Salut à tous, c'est 77 Cabal et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 sur The Witcher 3. Alors, la fois d'avant, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de varier un peu les expressions parce qu'à chaque fois, oh, on est arrêté. Non, cette fois-ci, la fois d'avant, j'ai failli le faire. Donc, la fois d'avant, alors c'est chaud, j'ai trouvé mes mots. La fois d'avant, on avait fait quelques quêtes. Annexe où j'ai fait le démon quoi du puits, j'ai fait j'ai fait plein de choses, j'ai fait 3-4 quêtes et puis aujourd'hui on a encore du chemin. Du coup on va faire ça tout de suite. Donc on va regarder un peu dans notre tour. Ici il y a un trésor caché, ça me semble bien. Je vais regarder vite fait ce que j'ai. J'ai un trésor caché ici, un cimetière ici, j'ai quelques repères de monstres ici et je crois que j'en ai un au-dessus aussi. Donc voilà, on va s'orienter vers ça, essayer de grappiller encore un petit niveau, peut-être deux niveaux, je vais essayer. Et puis après, j'essaierai de faire le trésor téméraire. On va aller voir le trésor caché d'abord. Alors si j'ai bien compris, parce que bon, j'ai un peu de mal sur le jeu, encore. Ça va de mieux en mieux, mais j'ai encore un peu de mal. Donc si j'ai bien compris... Quand un icône est grisé, quand un icône est grisé sur la mini-carte ou sur la carte, ça signifie en fait qu'on a entre guillemets réussi à découvrir ou faire la chose qu'il y avait à faire à cet endroit-là. Quoi. Si j'ai bien compris, encore une fois, si jamais il y en a qui savent et qui disent que oh des wargs, oh il y a pas mal, il y a 4 wargs. Psst. Je suis là. Change d'épée par contre. Aïe 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 aïe. Je peux pas me mettre. Mais vite. Qu'ils fuient ou est-ce qu'ils appellent des renforts? D'accord, donc c'est pas du tout le cri que je voulais. Le cri que je voulais c'est Quen. Elle venait par ici. Hop, prends-toi dans ta bouche. On spam, c'est du spamage. Voilà. On va récupérer un peu ce qu'ils avaient sur eux. Donc là il y a un tonneau, je sais pas trop comment je peux... Allez, j'espère que t'as des trucs. Éclat de lune. Ah oui quand même. Bois durci. D'accord, donc on dirait qu'on part un peu sur des... Voilà. Fouiller ça ou c'est... Ah non d'accord. Ok, donc il faut utiliser un signe pour pouvoir les... Donc voilà, en fait l'icône était à la base pas grisé du tout. Et maintenant il est grisé, il était blanc à la base. Si je regarde sur la carte, voilà, il est un peu plus grisé quoi. J'essaie de regarder, d'accord en fait c'est... Donc là cette fois-ci, on va aller à la Syrie, j'ai bien envie d'aller voir ici, je me demande ce qui se passe là-bas. Je vais regagner mon arme parce que je pense que ils vont pas trop aimer. Donc en fait, alors apparemment pour les loups, fallait utiliser la lame normale. Fallait pas utiliser, je pensais que... Je pensais, dans la... enfin dans ma logique à moi, tout à part les êtres humains nécessitait une... Une épée en argent. Hop. Voilà, donc c'est un peu grisé. C'est ce que je veux voir. C'est ce que j'aime. Donc c'est pour là-bas.
Ouh. Alors on a des ghouls. Des ghouls niveau 2, ça devrait être relativement facile, je pense. Aïe. Des loups, génial, génial. Alors lui en fait il vient ranger sa famille que j'ai bouffé juste avant. Ou alors il va se frotter contre les ghouls. Ce qui en soi serait pas mal aussi. Extrait de venin. C'est du sang, du sang. Aïe. Si tu pouvais juste sortir sa main. Ton épée, voilà. Oh là, j'ai peur avec les cerfs derrière. J'ai eu peur. Alors l'eau, c'est bien, c'est génial, mais faut attendre 3 heures pour récupérer 3 points de vie. On a fait plus utile, quoi. J'arrive, discretos. Et paf. Non, 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 je laisse pas te rattaquer. La main, pas de respect, moi. Bon, il en reste un apparemment. Voilà, c'est allé. Oh, c'est quoi qui est derrière qui bouge encore? Ah non, il en reste encore un autre apparemment. Il arrive tout doucement derrière et BOUM! Prends ton cul! Et là on enchaîne, on se laisse plus taper, voilà. Oh, j'ai pété une barrière. D'accord, donc je viens de passer niveau 3. Et donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, attendez, ça va peut-être être écrit. Vous venez d'où? Donc non, c'est pas écrit, sans doute. Pas tout. Bon bah respect. Alors apparemment c'est un village abandonné. Site abandonné. Comme j'ai tué les ghouls qu'il y avait à l'intérieur, du coup, c'est devenu un site abandonné. Bah, je suis venu à un site avec des gens, les gens sont venus et tout. C'est assez cool, on dirait. Enfin, ça me fait un peu penser au. Dans Assassin's Creed, etc. Quand tu crées ton village et tout, c'est ce que j'adore. Mais... On a pas. Merde, je vais me faire niquer par une ruche, quoi. Donc là t'as des paysans, je vais regarder juste à l'intérieur. Yep. Hop, et apparemment... Ouais. Voilà. Donc on a fini notre taf, apparemment il y a un petit marchand et puis peut-être une meule. Une meule. Je sais plus si ça peut être une meule. Ah bon, pas grave, c'est pas trop le problème. Donc les amis, je vais passer en accéléré jusqu'à... Où vais-je aller? En accéléré, on va aller... J'ai rien ici, c'est d'énergie, mais je crois que c'est là où... Oui, il est grisé, donc c'est sans doute là où... Où je suis déjà passé prendre le signe de Quen. Ici il y a un autre truc.
où en fait je vais aller plutôt là où je sais qu'il y a quelque chose, même si ça sent un peu la mort. On va aller au pont des ricanements. Du coup maintenant il y a des gosses et tout qui se baladent, c'est génial, bien foutu. Donc en fait il n'y aura pas d'accéléré à ce moment-ci. Alors ici on a quelque chose. D'accord. Voilà quoi, ça. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, mais on ne sait pas. Je vais continuer de boire de l'eau. Là-bas, il y a l'air d'avoir des ghouls. Et je vais regarder si on se rapproche un peu du. Oui, d'accord, c'est à ma gauche. Donc, ça doit être une sorte de grotte, je pense, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a du peuple. Ah, tu vas sortir. Allez, viens. Oh, les bâtards. Les bâtards. Oh, mais c'est chiant parce qu'ils se remettent de la vie quand t'es loin. Ça, c'est pas sympa. Et viens par ici et t'en mettre de la vie. Viens. Hop. Ah, le bad. Oh, la tête qui part. Elle est partie, la petite tête. Merci. L'intérêt de faire le plein de thunes et puis de nous prendre plein de nourriture. C'est vrai que. Un site d'énergie. Devrait y puiser. Alors, un nid de monstre. Pour détruire un nid de monstre, il vous faut une bombe, ruche, samoune ou étoile dansante. Laissez vous face au nid et appuyez sur off pour faire cette. J'ai rien de tout ça. Je suis trop dégueu. C'est-à-dire qu'il va revenir au calme. Merci, c'est un signe de Quen aussi apparemment. Un nid de ghoul, je vais m'en débarrasser. Ouais, sauf que. Il faut que je fasse quoi? Une bombe? Une ruche ou samoum? Pour faire ça, il faut quoi? Du chelidoine et du salpêtre. Et pour la ruche, il faut calcium et quum. Du salpêtre aussi. D'accord, du salpêtre, ben j'en ai pas du tout. Peut-être qu'il faut une faire une. Une. Comment ça s'appelle Peut-être que je peux en créer. Chat. Je peux créer un chat. Wouhou! Pas mal de voir dans le noir. Plutôt que. Hirondelle, diable. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Au moins on sait que je peux le faire et puis. Je vais essayer de récupérer un peu les. Alors lui comme il est tout rouge, j'ai l'impression que je peux prendre quelque chose aussi, mais pas du tout en fait. C'est juste un handicapé que. Puis voilà quoi. Bah, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va éviter d'aller faire
faire l'autre nuit, je suppose que ça n'a strictement aucune utilité. Et puis, on va aller ici, tiens. Il y a des millions découverts à côté du village. Hop, on va aller là. Et en passant, je vais récupérer un peu les choses que je revendrai pour racheter de la nourriture. Hop, ici. Voilà. Yop là. Et puis on va continuer par là en espérant pas trop tomber sur le nid. Acheter un petit coup d'œil. Enfin ça se tombe en fait tous les nids ne sont pas forcément des nids de boules. Oh bah si celui-ci c'est encore un nid de boules. Donc comme je n'ai pas eu quoi faire une bombe, ça me sert un peu à rien pour l'instant. J'irai voir entre les deux. Les deux parties, s'il n'y a pas possibilité d'acheter du salpêtre ou des trucs comme ça. D'accord. On a trois noyeurs, et donc avec un coffre caché. J'aurais dû y aller avec un peu plus de vie. J'enchaîne, moi. Alors, il est où le problème là? Oh merde, il y a un autre qui est apparu. Deux, c'était bien assez, les gars. Oh oh. Te calme, Denis. Il n'y a pas un autre qui va apparaître dans mon dos. Voilà. Tu peux ranger ton arme. Je pense que pour l'instant, on est au calme. Non, ouais. Pas mal de choses, c'est assez cool. On m'en refait, mon gars. Ici, sur les jambes, il n'y a pas du tout rien du tout. Non. Oh, mais là, il y a un monstre au-dessus. Je sais pas, ou alors. Qu'est-ce que ça signifie Ah non, d'accord, c'est. Ah non, c'est pour dire que c'est en dessous de la porte. Qu'est-ce qu'on peut faire qui est dans le coin ensuite? Ça, allez hop, on y va, c'est parti les amis. Ok, je m'arrête direct. Alors, où il y a le grand canyon ici. Allez, on descend. Faut que je pense à manger parce que à chaque fois j'arrive à côté des ennemis. Oh, bah j'ai plus rien. Je vais sauvegarder dessus parce que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas sauvegardé. Et s'il m'arrive problème, je vais pleurer. Voilà. Alors, il y a l'air d'avoir des ennemis. Est-ce que c'est des ennemis barbares? D'accord, il veut pas monter. Il va falloir faire le tour du propriétaire
Là aussi, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Des loups. Voilà, on règle leur problème. Même si j'adore les loups dans le jeu, ils sont pas sympas. Par où je peux passer? Là-bas, il y a l'air d'avoir un pont. Mais c'est tout. Je ne fais aucun bruit au-dessus. Comment je peux faire? Dites-moi, guidez-moi. Oh, que je glisse. Ah, là, c'est bon. Allez, dis-moi que tu peux monter. Allez, à la Skyrim. Allez, tu me montres rien de ça. Donc je vais pouvoir passer la partie de cette corne, mais je vais pas faire. En plus, il y a la corne aussi. C'est génial, la fois. Oh, c'est un peu plus. Je crois que je vais les esquiver, j'ai un peu la peine de combattre. Je cours, j'évite de perdre de la vie inutilement. Voilà. Hop. Du coup, on va y aller à pied, si on va passer par le pont. C'est quoi ça? Non, il sort quelque chose. Sors-moi une arme là. Sors-moi une fucking arme. Oh, ça... oh! Oh la violence! Vous n'apprendrez jamais. C'est mort! Ouf. Et ouais mon pote. C'est ce qui s'appelle se faire défoncer. Et j'aime ça. Défoncer des gens. Bien sûr. Pas une petite hache toi. Peau de colon. On va éteindre le feu, parce que c'est une source à problème, ça. D'accord, bon, hop, on va rentrer à l'intérieur. Et mettre, déjà. Il y a des trucs étranges. Ah. Épée en acier de l'école de la vipère, ça c'est intéressant. C'est ça qu'on veut. Un ours blanc. Et du salpe. Petit tour de pain. Le gentil galopin. Ouais, il y avait rien d'autre en fait. Je m'attendais à trouver un truc épique et tout. Bon, j'ai juste trouvé un schéma pour faire une épée en fait. C'était de la vipère. Et c'est tout. Oh, il y a un autre. Ah, d'accord, je crois qu'il y a un autre. On passera. Peut-être ici, on est d'accord. Il
générique qui était dans sa armure. Donc. Ah bah t'as juste un arbre. Ok d'accord, bon là c'est tout, on a tout fait. Ici, on se casse. On est en train de se faire trop mal. Voilà. Et on va aller cette fois-ci au petit Pong. Petit Pong ou la petite forêt? Non, les petits Pong. Oh pinaise, elle tombe pas dans le trou. Elle remonte. Non. Monte. Oh, mais c'est pas compliqué, mon dieu. Voilà. D'accord, on a juste du matos. Lui, il va bien. Alors, on a un symbole qui est apparu. Je vais regarder vite fait ce que c'est. Même s'il est grisé, que ça veut dire. Cache de contrebandier, d'accord. Village abandonné, c'est qu'est-ce que c'est de... Non. Là où? On va aller ici maintenant. J'espère que ce n'est pas une cage de ghoul. Oh l'autre, il arrive comme ça dans les forêts et tout. Hop. Merci. Tu repasseras. Suivant. Bon, j'aimerais bien que à la ligne. Oh, je l'ai coupé en deux. Coupé en deux. Je m'en défouille sec. T'en vas pas, je suis ton pote, moi. J'ai coupé en deux quoi. Oh calme. Si j'enflamme c'est quoi en fait? C'est un lieu abandonné, d'accord. Mais comment je fais pour qu'il ne le soit plus? Y a-t-il encore un move dans les parages? Non. Non bah c'est tout. Je vois pas ce que je puis faire de plus. Peut-être bien. Oui, il n'est plus abandonné. Oh, c'est ça. C'est quoi ce bestiau? Oh, pinaise, un ours. D'accord, la violence du truc. Il ne prend absolument aucun dégât, le mec.
précieux est niveau 6, mais alors putain. Nous avons au moins le niveau 30-35. Là. On le regarde, il nous regarde. Que dois-je faire? Tu vois, faut voir qu'il est un peu cheaté quand même, la mission. Un signe d'énergie, c'est tout ce que tu sais faire, saleté. Je devrais épuiser. En fait, t'as un mec qui court, toi. T'as un peu trop de vie, mon pote. Oh la vache. Ne sois pas stun, please. C'est pédale en fait quoi. Ta mère. Oh là là là. Aïe 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 aïe. Un ours avec un petit peu trop de vie. Voilà. Bonjour, bienvenue. Merci. Je suis sûr qu'il y a au moins des trucs intéressants parce que. Voilà, on a un signe. Signe de je ne sais quoi. Birden, d'accord. On peut cumuler les signes là. C'est une bonne nouvelle. Il est plus mal que je n'ai pas sympathique dans le coup. Non. Les habitants de ce site ont été contraints à l'abonner à cause de monstres de menti. Ils reviendront une fois le danger écarté. Je vais y retourner, peut-être que ça faisait partie du danger. Puis peut-être que oui. Puis peut-être que oui. Et là en fait, le temps que je me battais contre lui, il y a 15 000... Je vois pas ce que je peux faire de plus. Tant pis, on va...
s'éloigne encore un peu, on va faire un dernier point, et puis on va y aller. Un point qui semble intéressant. Puis j'abandonne les arrières là-bas. Ouais. Ici. Puis c'est bon, si c'est un repère de. Un truc de contrebande ou je ne sais quoi. Ah mais j'en reviens pas, l'ours c'était assez chaud quand même pour un niveau 6, je sais pas où ils ont été chercher leur niveau 6 mais d'accord, on a des noyeurs. On va éviter tout contact avec eux. Oh la vache, il y en a un autre qui est apparu quoi. Les mecs qui se relaient quoi. Voilà. Oh, il y avait un truc intéressant. Là. C'était une couleur que je n'avais pas eu. Ou alors, là. C'est juste un truc comme ça où j'ai pas fait bien attention. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une caisse avec une fiole. Super. Là, il y a un coffre. Avec pas mal de trucs. Ici, on a un autre coffre avec pas mal de trucs aussi. Ah, c'était le. D'accord. Je pensais qu'il y avait un truc sous, mais. Carreau à fragmentation. Oh la vache. Il est vachement bien ça. Bon puis les amis, on a encore un peu de temps. Du coup, ce que je vous propose, c'est que on va regarder vite fait sur la carte où il y a un point proche. Et on va y aller. Let's go. On a un ailleurs qui va aller. Juste sauvegarder la partie encore une fois. On n'est jamais à l'abri d'une connerie. On saute sur place et on est parti. D'accord. On a pas mal de trucs. Déserteur. Ok. D'accord. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait un archer, sinon j'aurais fait attention à pas me faire noter mon signe de brume. Ils sont niveau 2, ce qui devrait être correct normalement. Hop, on a niqué un. Oh punaise! Oh punaise, c'est quoi ça? Oui, tu avais un truc, ça vient. Faut que j'arrive à niquer l'archer. Voilà. Tac. On va niquer les 5 déserteurs. Puis on va bientôt s'arrêter. Je prends juste le matos. Qui
des ongles. Phosphore. Carreau de type dombelle. Rêve de drame. Et voilà. Du coup, on va repartir vite, vite fait, bien fait au village et on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Hop, au pont des soupirs. Ça sauvegarde automatiquement, apparemment. Alors, est-ce que c'est une petite île ou... Ah non, d'accord, c'est... c'est soit des lumières, soit des mouches. Ah non, c'est ni un ni autre, c'était une rue. Ici, on a quelque chose, absolument rien. D'abord, on a un monstre. Quel est son monstre? Ah, allez. Une petite baraque ici, je le rappelle, et j'y passerai tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. À la prochaine... la prochaine Anthrax, on va dire. Enfin, pas Anthrax, pardon. Anthrax. Voilà, les amis, on va se laisser là, donc devant l'auberge. Donc, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et on se retrouve pour l'épisode numéro 7, si je ne m'abuse, de The Witcher 3. Que sais-tu au sujet des négociants de grains ? Ravi de te voir, moi aussi. Et j'ai vendu ces outils. Ce que j'ai pas dépensé.